au moment même où il posait le pied sur la lune. Un instant plus tard, Edwin Buzz Aldrin le rejoignait. Dans le ciel, la capsule Apollo continuait sa course avec à son bord un troisième homme, Michael Collins. Et toi, grand-père, c'est toi. Il savait que malgré tout, l'ordinateur pouvait continuer à fonctionner.